Nous voici donc partis pour la saison 2 de The Walking Dead du AIUIUAI après la saison 1 qui nous a mis bien en PLS. Hein. Clémentine! Et bonsoir à tous. Salut. Choix du chapitre du coup, épisode 1, tout ce qui reste, c'est fucking Tipar. Hein. J'espère que le son est bien. Au cas où je le baisserai, je le montrerai, vous me direz tout. La saison 2 est influencée par les décisions et les conséquences de la saison 1. Oui, ça d'accord, oui. Ok. Putain, Lee. On va se mettre en The Walking Mode. Une sauvegarde de la saison 1 a été trouvée. Let's go! Choisissez maintenant un emplacement de sauvegarde de la saison 1 pour poursuivre votre histoire. Bah, de toute façon, j'en ai qu'un. Fini le 4 avril. Le 4 avril? Ah, ça fait... Oh, putain, on a mis 20 jours avant de reprendre. Ah, mais oui, parce que je me suis fait opérer. Des dents de sagesse. Je le dis pour YouTube qui ne suivent pas les lives. Let's go. Ah, ça gratte, ça pique. Previously on The Walking Dead. Ok. What's your name? I'm Clementine. Ah, mais c'est juste un recap. You've been all by yourself through this? I know who you are, and I know you're a killer. It's how the world works now. Lee, are those bad people dead? I hope you know what you're doing with her. I got it. T'as le son? Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are. Okay, you can come, but you have to promise to stay quiet. Perfect. Clementine? Clementine! Oh non. Oh. No. I know how to be a dad, you know. She wouldn't be exposed to what she has been with you. Die! Lee, I saw my parents. I know. You have to shoot me, honey. Lee, no. Find Omid and Krista. Quelle fin, putain de merde. Quelle dépression, mon gars. On gueule derrière moi, en plus, j'entends moyen. Oh merde. Let's go! Vous avez vu mon avatar en bas à droite? Il change. J'ai découvert ça tout à l'heure, j'ai voulu faire une petite animation. Ça ne sert à rien, mais c'est un détail. J'aime bien. Clémentine. Clémentine. What do you think? Omid, you can't be serious. I am. We are not doing that. Why not? Because. Et je comprends, il va. Come on, Krista. What's wrong with Omid? Du coup, elle a bien retrouvé Krista et Omid. Omid. One of you is enough. Et elle est enceinte. Clementine, a little help here. Quelle idée. Ah mais oui, mais elle était déjà enceinte dans la saison 1. No. Vous avez une durée limitée. Oui, d'accord. Omid Junior. No. You have to admit it has a ring to it. Ah, et si c'est une fille? Yeah, the ring of an egotistical maniac. What if it's a girl? Then we name her Krista. But I'm Krista. I don't want to call her Krista. That's just confusing. Bah ouais. Name her Genevieve. I don't care. How can you not care? Il veut appeler son fils Omid. I take everything seriously, especially little Omid's future. Keep talking, you'll be sleeping in the rain tonight. Remember that time in Barstow? Elle a grandi un peu, hein. Vegas weekend. Elle a grandi un peu. Why don't you get cleaned up in the girls' room, Clem? I hope the sink works in there. I wouldn't count on it. Just be careful and make sure to keep track of your things. Ah, ça fait plaisir de retrouver la voix de Clémentine. J'adore la doubleuse de Clémentine.
Clementine. Clementine. Hello. Ok. Attendez, mais il y avait pas Krista dans les chiottes? Assurez-vous que la salle de bain est sûre. Utilisez WASD pour marcher et la souris pour regarder autour de vous. C'est quoi WASD? Ok, c'est bon, je l'ai. Je trouvais pas la touche WASD. Oh, quel plaisir! Oh, oh. Meilleur perso, ah oui. Ok, là il y a de la merde, donc non. Ok. Oh. Enfin du propre. Oh, ça me fait penser à un truc. Ça me fait penser à un truc. Les toilettes d'aéroport, mon gars. Si quelqu'un travaille en tant que nettoyeur de chiottes à l'aéroport, ça doit être le pire métier de l'univers, hein, vraiment. Pourquoi j'ai changé la lumière? Ça doit être le pire métier de l'univers. À chaque fois que je vais à l'aéroport et qu'une envie pressante me prend, toutes, enfin quasiment toutes, les chiottes sont remplies de merde. C'est très grave, les gens, ce qu'ils font. Après, je parle des aéroports de Genève, notamment. Ok. Better. Oh merde! Les gares, c'est pas mal non plus. Ah, ça doit être pire même, je pense. Terrible. Elle est là? Je m'ai trompé, lol. Elle est là. Sérieux, elle a roulé jusqu'au bout? Pourquoi faire? C'est tendu. Mais où sont Omid et Krista? C'est mon sac, ça. Je vais avoir un QTE. Oh. Oh. I see you. Ah merde. Get out of there. Le silence est une réponse valide. Come on out now. Ok, s'il me dit ça, silence. What are you doing? Get out here. C'est une gamine, fais-lui pas de mal. You got anything on you? I ain't gonna ask again. Je vais rien dire. Nique ta race. Je te parle pas à toi. I'm serious. What else you got? That's it. Oh. Lie to me. I'll pop you. Give me what you got. Mais. I'm not screwing around. Come on. Just leave. Just walk away. Whatever. Give me that hat. No. Oh non, pas son chapeau. Where'd you get it? I asked you a question. Mon père me l'a donné. My dad gave it to me. Just give it to me. Mais non.
Junk, junk, junk. Look at all this junk. Shit, shit, and more shit. Why you ain't got nothing good? Not like the last people I got. They had all kinds of shit. That was a good catch. You ain't got nothing good. Chope-la. Little fish. Chope-lui sa grand-mère. Little fish. This your daddy? What a bozo. Oh! Zabé! Non! Oh mais... Direct! Oh! Oh, Big Shay. Mais le jeu a commencé il y a 5 minutes! Oh merde, elle va m'en vouloir. Elle va m'en vouloir alors que j'ai rien fait. Non, la pauvre quoi. Mère célibataire. Dans cet univers. Mais ouais, hé hey. Allô. Omid. On a même pas eu le temps de profiter d'Omid, genre. 16 mois plus tard. Oh. Oh, elle est encore plus grande. En même temps, oui, un an et demi plus tard. Krista, talk to me. This will never work. Look at this. It's pathetic. Ça repart dans dans. It's too wet to burn. It's more smoke than flame. Mais y a pas de bébé? At this rate, we'll be eating this for breakfast. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? What else can we do? Attendez, mais elle a perdu le bébé du coup, suite à ça. I don't know. Oh, c'est la dépression directe. In the dark and in the rain. You should be doing this, not me. Tending a fire so you can cook and stay warm. It's something you have to be able to do, Clementine. Otherwise... Oh, la dépression d'entrée de jeu, mec, ça fait 10 minutes qu'on a lancé le truc. Non, non, non. Il faut un groupe. We need to find a group. People we can trust. We've been on our own for too long. Trust? You think you can trust someone out here? Not now. Not anymore. I'm freezing. You think this is bad? Wait till we get up to Wellington. Then talk to me about cold. If we make it. Wellington. We still have a couple hard months ahead of us. This rain will turn to sleet. Then ice. Then snow. It won't be easy. Ce sera mieux là-bas? It'll be better there, right? Safer maybe, so they say. But I don't know. It has to be. I know it will. We'll see. We just need to keep moving north. Ok. On va garder en tête que c'est le nord, hein, si jamais il se passe un truc. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire cuire? Oh, un lapin! L'immement... I miss Lee. I'm sure you do. Bah, moi aussi. I'm gonna go look for more wood. You just keep the fire lit. Bonsoir, Milaway. Tu dates.
Ok. C'est bien, on n'est pas déprimé d'entrée de jeu. Ok. Oh putain, ok, il y a que des trucs qui vont nous mettre mal. J'adore. Ça, c'est le dessin qu'elle avait fait dans la saison 1 de Kenny avec sa famille. Un petit zippo. Elle a gardé les cheveux courts, hein, comme on lui a dit à la fin de la 1. Hein. Ok. Alors. Comment est-ce qu'on peut entretenir le feu? On était tous contents de commencer une nouvelle saison et le jeu nous a mis une balayette directe, c'est clair. Putain de merde. Oh, elle suit le... Ah, pas du tout. Ok, super. Ah, appuyez et maintenez le bouton gauche. Appuyez et maintenez le bouton gauche de la souris. D'accord. Oh, ok, d'accord, mais il y a des nouvelles mécaniques. Il y a des nouvelles mécaniques en mode tu maintiens, tu diriges la souris. Révolution du gameplay. C'est tout ce qu'il fallait faire? Ah, ok, d'accord. En même temps, il pleut, hein. Moi, j'ai vu dans Koh-Lanta, c'est pas facile, hein. Plaque d'immatriculation. Ah, je dois trouver des trucs qui brûlent. Une veste déchirée, ça brûle, ça, non? Ah ouais, chier. C'est vrai qu'il pleut. Chier. Ça fait chier. Oh, bah du bois, ça brûle le bois, je crois. Il semble, hein? This might burn. Oui, c'est du bois. Ok. Pourquoi elle fait le tour? Ok. Brûler la bûche, brûler le dessin, brûler la photo de Lee. Non mais ça va pas ou quoi? Vous avez craqué. La bûche c'est déjà très bien. Brûler la photo de Lee. Oh non. Oh non. Je disparais. Mais c'est qui? Oh non. Oh non, c'est Krista qui se fait mêler. Oh non. Ah merde. I'm by myself. Bullshit. Ça va le faire, ça va le faire. Distraire ou filer. Come on, guys. She's not sane. Non. To believe you're out here all alone. Dans ta grammaire. Oh non, ils l'ont rattrapé. Non. Non, ils ont quand même pas chopé Krista. Non. Non, non. Pas Omid et Krista en 15 minutes de jeu, hein, s'il vous plaît. Ça suffit. Hein. Get the fuck over here. Now. Oh là. Oh là. Oh là. Oh, qu'est-ce que je dois faire? Oh. Qu'est-ce que... Oh, oh, il y a des QTE. Oh putain. Ok, d'accord. Ça va. Oh, oh, ok. Oh. Et cours. Oh. Oh, il y a des QTE, j'y crois pas. Oh. Grochet, capitaine. Mais d'où il me rattrape? Crunch. Oh merde. Oh. Non, lâche.
Allez, lâche! Lâche! Jesus, are you fucking kidding me? Non, 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 non! Stop fucking kicking! Ah oui! Oh non! Oh, ah, ah! J'arrive pas. Oh mon Dieu. Allez, let's go, on court. À bientôt. On est à 15 minutes de jeu. Eh hey, oh, please. Oh, laissez-moi respirer. Incroyable. Bon, bah, fin de la saison 2, du coup. En fait, au final, Omid, Krista et Clémentine meurent. Voilà. Ça valait le coup de faire une saison 2. Fouh, putain. Ça va, le son, pendant les... Ça va, le son, pendant les trucs un peu vénères, comme ça. Parce que c'est ce qui m'a déconcentré. J'ai senti le son un peu fort. J'ai regardé la barre et j'avais pas vu qu'il y avait un QTE. Et je me suis fait baiser. Je me suis fait baiser. Nickel. Ah bon, bah ok. Alors. Et bah c'est reparti. Hein. On va éviter de mourir. Hein. Allez, allez. Ah. On repart sur du à l'attaque. Run. Hop là, pas ce soir. Allez, quoi encore? Oh, lequel? Lui. Ok, ça valait le coup. Est-ce que je peux boire mon café tranquille là? C'est bon, hein? Oh, elle s'est accrochée à une texture invisible. Je vais l'air beaucoup plus nerveux. Ah, bah là, franchement, depuis le début. Histoire interactive. Ouais. Ouais. On met le verre Kindead. Heureusement que j'ai les lunettes, hein. Mais l'antire aurait séché mille fois, là. Bienvenue. Bonsoir à toi. Bon. On a perdu Omid et Krista en 10 minutes. Mon gars. Oh ! Vous savez très bien qui c'est. Vous savez très bien ce que le jeu est en train de nous teaser. On le connaît. On le connaît, ce raton. Bah. Ah putain, ok, d'accord. Oui, bah, en même temps, c'était logique, je sais pas pourquoi. Ah bon. Non, mais j'y connais rien après. Non, mais c'est un personnage de ma chaîne. Krista, are you there? Oh? Non, non, toujours vérifier les potentielles menaces, genre ce truc par terre là. Avec Lee, on a appris que tout était dangereux. Hein. Ça va là. Ça fait bizarre, Clémentine, elle a grandi de fou.
Ça change. Bah, elle est encore toute petite, là. Elle doit avoir 12 ans. 12, 13. Plutôt 12. Ces fringues aussi. C'est même pas les mêmes fringues. À part la casquette. Dans le 1, elle avait une jupe, je crois. Bah, jupe qu'elle avait d'ailleurs il y a un an et demi, là, au début du jeu. Là, le fait de jouer Clémentine, c'est pas comme jouer avec Lee. Là, s'il y a un problème, mon gars, c'est pas avec notre corps de petite fille de 12 ans qu'on va beaucoup se débattre, en fait. Là, on a déjà bien géré, mais encore avec Lee, il y avait moyen de faire du corps à corps sale. Là, pour te défendre, Mac Jol. Il fait froid, apparemment. Qu'est-ce qui se passe? Oh, elle est dans une merde, mon gars. Oh mon dieu. Est-ce que je laisse la cam pour ça? Si, allez, on va laisser la cam pour ça. On va quand même pas se prendre un screamer. Y'a pas beaucoup de screamers dans la saison 1. Y'a pas beaucoup de screamers dans la saison 1. Je pense pas qu'il y en ait tant que ça dans la saison 2. À moins que... C'est un chien. Oh, Kyle, let's go. Oh non. It's okay, boy. It's okay. Ok. Vérifier le collier du chien. Caresser le chien. Caresser un chien qu'on connaît pas. Vérifier le collier. C'est pire Sam. Que le caresser. Sam. Well, nice to meet you, Sam. C'est Kyle. Waf waf. Oh, est-ce qu'on va se retrouver avec un chien en mode je suis une légende? Sam. Sam, where are you going? Wait up. Je suis une légende, mon gars. Oh Fly, ça va ou quoi? Fly. Regarde Fly, tu vas voir le petit avatar là. Hop, il a des blessures. Hop, il a plus de blessures. Hop, il a des blessures. Voilà. J'aime bien. Hello? Ça rend bien. Ouais, c'est sympa. Il y a moyen de faire plein de trucs trop cool comme ça. It looks pretty run over, but you never know. Let's look around for some food. C'est cool, mon gars. On a un chien pour se défendre. Ah, c'est moins drôle. Oh putain, c'est la famille de Sam. Looks like they were a happy family once. I hope they left some food behind somewhere. Bois boîte. Pire, tu pourras toujours le manger. Oh. Nothing edible. Pauvre chien, quoi. Non, manger du plastique, c'est pas fou. Oh, on va jouer. Oh, let's go. C'est tellement pas le moment, mais go le faire. Hey, wanna play? Wanna play catch? Good boy. Ça va et toi, Fly? Tu dates? Okay, bring it back. Good boy, Sam. Trop mignon. Bon, c'est bon, on arrête. Ça, je peux le manger, ça?
Non, ça c'est vide. Empty. Better keep looking, huh, Sam? Ouais, comme dans Je suis une légende, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça m'a fait penser à ça aussi. Non, je pense que dans la tente là, y a rien. Hein. Ah, c'est détruit, mon gars, mais. It's not much of a tent anymore. I bet scavengers tore it apart. 3 heures de pat-pat. Je sais pas si on peut le pat-pat. Il est où? Il est où d'ailleurs? Attends, il est où le chien? Où t'es, chien? Waf waf. Ah. Flatter. Oh, on peut le flatter. En français, en anglais, on dit pâté. Pat pat. Ouais, on peut pet the dog, trop stylé. Il y a un compte Twitter qui s'appelle Can you pet the dog, et ça montre dans tous les jeux des extraits de quand on peut pat pat un chien. C'est un compte inutile comme beaucoup de comptes Twitter, mais il est trop marrant. Dans tous les jeux, tu vois le moment où tu peux pat-pat le chien. Well, here we go. Ou c'est Can we pet the dog, je crois. Can you pet the dog? Oh my god, thank you. Oh, let's go. J'avais même pas fait gaffe. Sam, I can. Waf. Now I just need something to open it with. Ah ouais. Les dents du chien. On peut tuer le chien et puis Mais j'ai l'impression que parfois je mets pas les doigts au bon endroit là. Qu'est-ce qui se passe? What's the matter, Sam? Ah oui, putain, c'est vrai, faut pas faire de bruit en fait. Shut the fuck up. Parler. Ah, ok, d'accord, j'ai. Ah oui, d'accord, ok. C'est bon, chut, c'est bon. Ah, hop, hop, hop. It's okay. He's dead. Pas sortir de son contexte. Je sais pas ce que j'ai dit comme connerie encore, mais. Looks like he tried to cut it out. Arrête d'aboyer là. It's okay. We're smart. He's not. We're smarter than all of them. C'est ce que Lee il a dit. Elle répète ce que Lee il lui a dit à la fin de la saison 1. Ça me détruit. Stand back, okay? Ok. Smash. Je crois que ça suffit pas. Non, ça suffit pas, je pense. Ah, voilà, c'est bien ce que je pensais. Non, ça suffit pas non plus. Tant que le cerveau est pas détruit. C'est... Envoie le chien! Ça suffit toujours pas, hein. Ah, peut-être que là c'est bon. Ah oui, là c'est bon. Waf. See, we just have to stay out of their reach. J'ai rien compris, waf. Du coup, c'est quoi ça, hein? Chercher dans la poche. I like to think that if they were alive, they'd probably want to help you. Nothing. Ah. On peut le regarder, pourquoi faire? Poor guy. Poor guy. Think he had himself tied up, or did someone force him to do this? Je pense que si ça se trouve, ça a très mal fini et c'est d'autres gens qui l'ont attaché. Ok, au moins on a de quoi ouvrir notre canette avec notre couteau bien rempli de sang contaminé. Still pretty sharp. Oh non, j'ai plus à boire. Okay, well. Now we're getting somewhere. Tenez l'or, le crédule. Ça va ou quoi? Please don't be. Je croyais que c'était marqué Kyle sur le truc. Waf waf. Spling spling. Oh, c'est une boîte d'haricots en plus. Let's go. Je pense que
rendue où elle en est, elle les dévore avec grand plaisir. Hein. Avec grand, grand plaisir. Là, maintenant, on va avoir un choix. Donner au chien ou pas donner au chien ? Voilà. Il y en a que pour un. Est-ce que tu as faim ? Nourrir le chien, ne m'en dis pas. Ah, vas-y, allez. I guess you are pretty hungry too. Nourrir le chien. Nourrir le chien. Je pense que dans la même situation, je pourrais pas. Je pourrais pas rester. Bonsoir. Je pourrais pas rester sans nourrir le chien. Oh, par contre, finis pas tout. Hein. Merci. Wow! 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 Lâche! Lâche! Oh, j'ai les doigts, mon gars, sur le... Oh, je suis entre le chat et le... Je suis triste. Tuer le chien ou laisser le chien? On va pas laisser le chien souffrir, quand même. Ah, ça me fait mal au cœur de fou, là. Ah, les pleurs du chien sont trop bien faits, ça T'as plus à manger dans un sens. Ta gueule. Mais c'est vrai. Ah, merde. Deuxième source de dépression, hein. Par contre, c'est vrai qu'il y avait grave à manger, hein. Quand est-ce que tu changes de jeu? Je vous avoue que là, en 30 minutes de jeu, on a eu que des dépressions accumulées, là. Je me demande qui gagne entre rage et infection zombie. Ouais, j'avoue, mec. J'ai le cœur qui fait ding parce que j'étais trop surpris en fait au moment où je me suis fait gnoc. Putain, la pauvre, quoi. Peut-être que si on se laisse tuer par le chien, on joue le chien après. Bon, de toute façon, elle va être secourue par quelqu'un, mais... Ah, bah tiens. Debout! 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 Comme dirait Madame Pécresse, debout! Allez, debout, hop. Attends. Mais je peux pas courir. Mais non. Mais... Ah putain, c'est bon, c'est normal. Oh, j'étais en train de me dire, je fais une connerie ou quoi, là? Oh non. Oh, merci. Oh, merci, mec. Oh, t-shirt orange, je t'apprécie. Oh, merci, jaquette verte. Let's go. Oh, let's go. Ah, c'est marrant, t-shirt orange, il a les sous-titres orange, et jaquette verte, il a les sous-titres verts.
C'est bien fait. Je savais qu'elle allait être très scoude. Debout. Madame Pécresse qui n'arrive actuellement plus à les joindre. Les deux bouts. Elle a récupéré 2 millions sur 5, hein. Yeah, we're good. Hey, you all right? Ça a l'air. Tout va bien, laissez-moi tranquille. Non, c'est pas le moment de faire la fière. Je crois bien, je peux marcher. Je crois. Je sais pas. I think so. Ah, c'est pull orange, c'est pas t-shirt orange. What are you doing out here? Where are the people you're with? There's no chance you made it this long on your own. I don't want them thinking we're doing anything but trying to help you. On a été attaqué pour le coup. My friend and I got attacked. These folks mentioned what they were after? They might have just wanted food. We were cooking some sort of weasel. They attacked you for a weasel? Damn. No weasel. Weasel. They didn't mention any names, right? They weren't searching for anybody. Oula. Vous avez des trucs à vous reprocher, vous. Well, I'm Luke. And this is Pete. Hey there. Luke. Hi. Luke et Pete. I'm Clementine. And it's nice to meet you, Clementine. But for now, we're gonna take you back. Allez hop, nouveau crew, nouveau crew. Oui, nouveau crew. Oh, shit. Whoa. What is it? She's been bit, man. Fuck. Fuck, what are we gonna do here? Voilà, maintenant, comment no, on fait? It was a dog. I didn't see any dog, Clementine. Come on, kid. We just saw you with those. Ah putain, regardez, est-ce que ça ressemble à une morsure d'humain ça? Même si on. No, just look at it, please. Yeah, and have you sink your teeth into Pete's neck? No way. My neck? Why am I the one? Because I don't know a dog bite from a mosquito bite from a lurker bite, man. It's not. Ça y est, ok, super. Alors. Nouveau groupe, nouveau drama, c'est sûr et certain. Lui, il va me faire confiance. Non mais c'est bon, je vais pas te mordre. Ça se voit quand même. Well, could be a dog. Hard to say. So where'd this dog go? Il est empalé quelque part, je sais même plus où. Mais je l'ai tué du coup. Seriously. I killed it. What? Really? A dog shows up and bites you and you just kill it? What would you have done? Bah ouais. It attacked me. Still, you don't kill dogs. Ah mais frère, pull orange aussi là. Clementine. Yes. You telling us the truth? Bah oui. Look me in the eyes when you answer. Oui. Yes. All right, Clementine. Pete s'en souviendra. That's good enough for me. Well, what else was she gonna say? I've got a good bullshit detector, Luke. That's why you can never beat me at poker. Je pense que Luke est pas cool. All right, how can you be sure? Well, I'm sure I ain't willing to leave a little girl in the woods to die when we got a doctor with us that can make a call. Exactement. We can have Carlos take a look at it first. Nick ain't gonna like this. Not with what happened. You don't have to remind me of that, boy. Ah. Right. Ah, il y a eu des histoires. Pat pat. Come on. Il flippe comme s'il savait pas encore qu'il faut que tu crèves avant de commencer à manger les gens. Bah ouais, c'est ça. Ça fait quand même plus de 2 ans, les mecs, hein. You feeling all right? I'm fine. Just tired. Well, you better be fine. Cause I ain't carrying you anymore with that bite on your arm. Mais t'es chiant. Ah. Ah shit. Ouais. Ouais. Fallait que ça arrive. Fallait bien que ça arrive. Ah, le nouveau groupe. Let's go. Carver. What? And you just believed her?
J'ai besoin d'un médecin en fait, hein. I need a dog. Keep your finger off the trigger, boy. Whoa, what the fuck? You idiot! Every lurker for 5 miles probably heard that. You're the one telling me to fucking shoot her. Everybody. Ah, okay, un nouveau connard. Let's go. Clementine, you okay? Chaque groupe a son connard, hein. C'est grave, hein. And then I'll go. I don't want my arm to get infected. None of us want to get infected. That's the point. We got a doctor right here. Okay, he'll have a look. Now what the hell is wrong with you people? Okay, she's just scared. We're all scared. Pourquoi il me défend maintenant? Like we're the ones being irrational because we don't buy this bullshit story. No way she survived out here on her own. Why are we even arguing about this? Let me take a look. Oh, le mec il a débarqué avec un flot. It's okay. Go ahead. He's a doctor. La chance? Ça doit faire mal, hein. Oui, bah c'est ce que je viens de dire. Ah ouais, j'avoue, en plus ça commence à devenir... Bah le chien, il était pas du genre à se laver les dents, je crois, en plus. Hein. Quel gros chien. Non, c'est trop tard de toute façon. I know that worked for a cousin down in Ainsworth. We could try that. Non. It won't do any good. You'll just be making it worse. À qui demander du soutien? It's crazy. No one's going to volunteer to do that. À Luc. If it means saving her life. Then what? Yeux tristes. Oh, elle va nous faire une chapeautée. I'm on your side, kid. No need for a guilt trip. Ah oui, merde. Ouais, c'est vrai. Who's she? Sarah. Oh. What I say, stay inside. Ok, il y a une autre fille. Laissez-moi partir, ça ne va qu'empirer. Aidez-moi et je m'en irai. Aidez-moi d'abord et je m'en irai. I don't mean to be any trouble. I just want to stop the bleeding and then I'll go. You'll never see me again, I promise. And where exactly would you go? Ailleurs. Voilà, ailleurs, tout simplement. Mon ami est là-bas. Ah. To find my friend Krista. Mais je crois que Krista, elle s'est fait dézinguer, hein. Look. I may be in the minority here, but my gut tells me she's telling the truth. It probably is just a dog bite. Probably. Pourquoi lui il me défend maintenant? J'ai pas compris ce retournement de veston. So, what do you think? Was it a lurker? A bite like that could be anything. Only one way to find out. Attendre. We wait. Bah ouais, mais au moins la soigner un petit peu. Tomorrow morning, if the fever set in, we'll know if she's gonna turn. In the meantime. We can lock her in the shed. C'est de la merde ça comme technique d'attendre que de voir si j'ai de la fièvre ou pas, parce que une morsure de chien, si ça s'infecte, je vais avoir de la fièvre de toute façon. Non? T'es con? À partir du moment où t'as une infection, t'as de la fièvre. What about my arm? It needs to get cleaned and stitched and bandaged. The girl is in bad shape, Carlos. We have all that stuff inside the cabin. We could probably get by. Alvin, please. Oula, toi. Yeah, we can't do nothing. I'm not wasting supplies on a lurker bite. If it turns out you're telling the truth, I'll clean it and stitch it up for you in the morning. Ah ouais. Ok. L'isoler, c'est pas con, mais la fièvre, c'est con. Évidemment qu'il faut l'isoler. I ain't your son. Don't be like that, man. It's all right. Boy's got his mom's temper. Come on. Ils ont leur lot de drama dans le groupe, je crois. Hein. This is just a waste of time, you'll see. And when she turns, I ain't gonna be the one cleaning up the shed. Toi, tu m'as l'air d'être une sacrée connasse aussi, d'ailleurs. Avec tout le respect que je te dois. Mon bras me fait vraiment mal. C'était un chien, vous verrez. It was a dog. You'll see. I guess we'll find out in the morning. If I last that long, maybe you could go look for it? I wish I could. I really do, but it's too risky. Sorry. On aurait dû emmener un morceau de chien. On aurait dû emmener une patte, une patoune. On va passer la nuit dans une cabane, quoi. Plaisant.
Why are we doing this? So fucking dumb. Because it's safer this way, and I'd rather be sure. Yeah, safer for who? I can't believe this. Bah oui, non, moi non plus, moi non plus. You're gonna be fine, you're gonna be fine. Le bleu nuit. Ok. Je suppose qu'on va essayer de sortir, hein. Parce qu'on peut pas rester toute la nuit comme ça, hein. Déplier la table. Grimper sur table. Ah bon? Pourquoi il y a un truc? On va grimper sur table. Ah oui, il y a un martal. Ouais, en effet. Bien vu. Oh non! J'allais dire ça va lâcher. Évidemment, ça lâche. Ah ah! Il est où le marteau? Il est là. Je sais pas encore à quoi il va nous servir, parce que je pense que j'ai fait les trucs dans le désordre, mais go. On a le marteau, hein. Raz Kamikaze, merci beaucoup pour le prime. Bienvenue à toi parmi les crèmes. Merci. C'est gentil, merci pour le soutien, soutien gars. Il y a un étau à cause. Ok. La boîte de pêche. Not much left in here. Du fil. I guess if I have to, I can use. Ah ouais, pour se recoudre. Bah oui. Putain, une chance qu'il y ait juste un truc de fil dans la boîte de pêche, hein. D'accord, ok, on peut sortir par là donc. Mais attendez, il faut quand même que je regarde s'il n'y a pas d'autres trucs. Genre dans le tonneau. Ok. Je pense que c'est directement avec. Oui, oui, pour enlever les. Ah bon, bah d'accord alors. Et comment je pète ça? Ah, à grand coup de. À grand coup de pied, d'accord. Ok. Let's go. Putain, elle est. Elle est débrouillarde, hein. Elle est débrouillarde. Let's go. Bonsoir, Nia. Bienvenue à toi. Ah, on va pénétrer dans la maison. J'ai voulu faire une blague à la fin de la phrase, puis j'ai annulé. On va pénétrer dans la maison comme ça, là. Trouver comment entrer dans le chalet. Ouais, le chalet. Et obtenir une aiguille, du peroxyde et des bandages. On va s'infiltrer à la Splinter Cell, mon gars. On va prendre tout ce qu'il faut pour se soigner. Et on va revenir dans la cabane comme une fleur. Je pense que ça, c'est une très mauvaise idée. Ça, c'est une très mauvaise idée aussi. Parce que suffit qu'il y ait un mec qui lit un livre à côté de la fenêtre, t'es baisé, hein. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Non, passer par la fenêtre, c'est pas possible. Je refuse. Pas d'accord, du tout. Bah voilà. Contreplaqué, ça c'est bien ça. Eh, la chance! La chance, mec. Le marteau. Merde. Bah c'est ça que je voulais faire dans la cabane déjà. Retirer les clous. Oh putain, c'est vrai qu'il y a des morts vivants dans The Walking Dead. Ça va être tendu, mon ami. Oula. It won't take long. There's a few things we need to discuss. Oh, c'est tellement pas une bonne idée. On sait même pas où ils sont. Vas-y, j'enlève la cam. Quand ça devient tendu, j'enlève la cam. Le pire, c'est que c'est pas toujours eux les plus dangereux, c'est clair. Les vivants, ils sont limite pires, quoi. Pour ouvrir la trappe, plutôt le couteau ou plutôt le marteau? Le marteau, c'est débile. La main, ça va pas le faire. Je pense qu'il faut utiliser le... le marteau, c'est con. Il faut utiliser le couteau, je pense.
Non. Non. Ah oui, c'est bon, je l'ai ouvert quand même. Oh, je me suis dit, est-ce que j'ai niqué mon couteau sur cette tentative nulle? Mais non, ça va. Ah, ça va en fait. Vous avez vu les petits lags que j'ai eu là? Enfin, c'est pas moi, c'est le jeu, mais il y a des petits freezes. C'est pas des freezes, c'est des lags, des petits lags parfois, des baisses de frame. Oh, mais on est en train d'entrer dans le truc en mode tranquille là. Heureusement qu'ils sont en pleine réunion. Écoutez, à la porte de la cuisine. J'essaye d'adapter la couleur à ce qui se passe. Yeah, right. Whoever she's with, they'll probably come looking for her. Great. They show up and we've got her locked in the shed. You think we should bring her in here? No, I'm just saying it wouldn't look too good. It's just a precautionary measure. Anyone else would do the same. You really think Carver would come after us? You think he wouldn't? He's not exactly. Ils ont un problème avec un mec qui s'appelle Carver qui les chasse. Happened. There's nothing we can do about it. Par contre, je me casse. J'ai trop peur. Ils sont en train de se faire poursuivre par un mec qui s'appelle Carver. Donc déjà, ils ont leurs problèmes. Écoutez. Non, je vais pas écouter, je vais me barrer. Non, je vais me barrer, oh, marteau. Et on les tue tous. Mais c'est pas du tout ce que je veux faire, moi. Ok, c'est bon. Bonsoir, aucun commentaire, ça va ou quoi? Ah non, en fait, t'étais en train de faire une blague. J'ai une blessure, pourriez-vous la recoudre? Alors, je sais qu'on s'est déjà croisé cet après, mais que vous m'avez enfermé dans votre putain de grange, mais... J'ai mal, en fait. Pourquoi je monte à l'étage? Ah oui, putain, il nous faut quoi? Il nous faut du fil. Il nous faut des médocs, des trucs, des machins. Dans la salle de bain, il doit y avoir des médocs. Normalement, il y a toujours une armoire à pharmacie... Ou debout d'ailleurs. Hein. Eh bien bonne. Armoire à pharmacie. Et voilà. Bien joué Nalf. T'es trop malin. Et il y a absolument rien dedans. Ah si putain. Ah une aiguille pour se recoudre. Ok let's go. On a l'aiguille. It's clean. En plus. On a l'aiguille. J'ai eu peur de son reflet mais c'est pas grave. Bandage et désinfectant. Regardez dans la douche. Putain, j'ai eu peur. Bon sûr. Ah oui, j'avoue, les aiguilles. Ah ouais, ah non. Regardez dans l'armoire à linge. Ok. On va trouver les médicaments. Et on va trouver les bandages. Ça va le faire. Oh merde! Oh! Là! Oh putain, c'est peut-être pas la meilleure idée, j'aurais dû aller dans l'armoire. Mais elle est enceinte aussi, mais vous êtes... Mais tout le monde tombe enceinte dans cet univers. Oh, faites que ce soit le sien! Oh là! Je connais ton secret. Ok, c'est bon. Ah, on a appris un truc sur cette personne-là. Oh, elle est enceinte et elle a dit faites que ce soit le sien. Mais elle est en couple avec qui? Elle est en couple avec le mec à lunettes, je crois. Le drama, clairement, mec. On s'est pas fait griller, c'est déjà ça. On va aller directement en face. On va pas hésiter un seul instant, hein.
le dis à personne, sinon on va pas menacer. Peux-tu m'aider? Hi. Can you please help me? I'm not supposed to talk to you. My dad can't know. Ok, elle a l'air conne. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu lis? On va faire genre on s'intéresse. You're reading. A book? Oui, bah merci. I like books. It's called The Gurgles. It's about transdimensional body snatchers. Super, c'est nul. Des bandages, peut-être? A dog bit me. Sounds scary. I bet it hurts. Ça fait peur. Merde! Pardon. Je pourrais mourir si je m'en occupe pas. Ah vas-y, prends-la par les sentiments. I could die if I don't take care of it. Do you understand? I need something to clean it up and something to wrap it with. A clean bandage. My dad says we're out of real bandages, but I know where to get something to clean it. That's what this supplies. I'll help you. Si on utilise sa naïveté, c'est très bien. I'm Sarah. Salut Sarah. T'es con. Aide-moi maintenant. Moi je suis Clémentine et je serai ta meilleure amie pour toujours. I'm Clementine. Comme Chucky. We're friends. Oui, on est amis. Oui, bien sûr, on est meilleurs amis pour toujours. Allez, les bandages. Nous sommes amis, je viens te rencontrer, nous ne sommes pas amis. Nous n'avons pas le même âge. Ouais, on est amis, ouais. Oui, oui. Voilà. C'est important. J'ai dit oui, c'est bon. Oh putain, ça y est, c'est la fête. Ça y est. Je m'épose parce que en fait, je sais très bien que ce genre de dialogue là, ça peut te foutre dans la merde très très vite en fait. Genre si je lui dis ouais, on est amis. Et qu'il y a un moment où je la suis pas, ou je sais pas, et je vais lui dire oui parce que je suis un gros manipulateur, vas-y. Yes. Ouais, promis, allez, hop, Sarah s'en souviendra, allez, hop. Oh, vas-y, on est super potes, c'est la fête. A pinky swears forever. Voilà. Let me look around. Allez hop. Pinky swear, c'est ça. I think this is it. That'll Et ben voilà. You can't do it here though. Someone will find you. Non, t'inquiète, moi je m'en vais hein. I won't. J'aime bien ne rien dire. Moi je trouve ça cringe de fou de rester sans répondre en fait. Ça me gêne. Plus que être méchant ou... Allez hop, elle c'est bon, on l'a bien... Vous avez encore besoin de bandages. Ici peut-être ? C'est tendu de fou, hein, si je me fais choper... Bonsoir, le titouan. Bienvenue à toi. Et tout est fermé en fait, ou vide. C'est quoi ça? Not exactly bandages, but they should help stop. Ah bah voilà, bah on a tout, on se casse. Ramasser la montre? Non, je suis pas une voleuse non plus. Enfin. Quand il s'agit de survie, oui, mais une montre. Ça pue la merde. Ça pue la merde. Si je prends la montre, qu'on me chope et qu'on dit « Ah, elle a volé une montre !» Non, c'est bon, hein. Je suis pas non plus un jambon, hein. Ça joue au risque. Ah, vous avez reconnu risque ? Incroyable. J'avais même pas reconnu ce que c'était. Ok, je me casse. Non, quand elle a dit « Je vais m'aider », c'est qu'elle m'a filé le désinfectant. Ça, c'est cool. On a tout, on se casse.
ça me tend par contre. Ça grince. J'ai presque envie d'aller écouter, mais je me casse. Let's go! Ça a été fait, mais comme un chef, quoi. Ah! Parfait. Il va être mignon le bandage avec les petites fleurs de couleur là. Oh, par contre, ça va être chaud aussi. Oh putain, elle va passer en mode warrior, ça y est. Ça y est, mon gars. Ouais, tu m'étonnes. Oh, c'est à moi de le faire! Oh putain! Alors, j'ai fait de nombreuses années de médecine et quelque chose me dit que commencer. Par mettre le bandage, c'est pas la meilleure idée. Hein, recoudre alors que c'est pas désinfecté, c'est pas une super idée non plus, je vous le déconseille. Bon, après, si vous voulez le pattern idéal, si un jour vous êtes blessé IRL, vous mettez d'abord le bandage, vous mettez le désinfectant sur le bandage, et après vous plantez l'aiguille dans le bras. Et vous laissez comme ça 2-3 jours. Mais là, pour le coup, vu que c'est un jeu vidéo et que c'est pas réaliste, on va commencer par désinfecter la plaie. Vous allez me dire quand c'est fini. Ah ouais, Fly, ça doit être dur. Ah bah, ça doit... Ok, I'm good. I'm fine. Now the fun part. Ah, avec du fil de pêche, mon gars. Ah, trop marrante l'image. Ça me fait penser à... Qu'est-ce que c'est chiant à faire, ça, IRL, parfois. Quand t'essayes de passer le truc dans le trou de l'aiguille et que ça veut pas... Hein. T'as toujours un poil de merde. Juste comme Krista m'a montré. Ah, Krista lui a appris à... Ça me stresse. Oh putain. Fermez pas les yeux. Ah, oh, la pauvre, elle doit douiller sa race de mort de sa race de mort. Vas-y, oh, te rate pas, hein. Allez, allez, encore un point et c'est fini. Ah, elle s'est ratée. Pourquoi tu rates? Pourquoi tu fais ça? Allez hop, c'est fini. Ouh. Je pense qu'elle a 12 ans là, à peu près, ouais.
Allez, on bande. J'aurais pas dû dire ça. Hein. On met le bandage et c'est y part. Hein. Je remets le son sur ça. Ah merde! Quelle idée! Non! Oh non! Non! Tape plus dans sa gueule! Sa grosse gueule! Mais pourquoi faire? Y'a quoi? Y'a un truc là? Ah oui, ça! Dans sa mère! Sa grand-mère! Mais on peut pas être tranquille! On peut pas être tranquille! On peut pas être tranquille dans ce jeu de con! Ah! Ça, ça c'est bien ça. Oh, let's go. Ça, le marteau. Oh, il pète lui sa grosse gueule. Encore. Oh putain de merde. Oh, fallait surtout pas arriver plus tôt, hein. Toujours pas mort. Oh, badass. Elle est trop badass. Oh, ta gueule, toi, hein. Je connais ton secret. She hasn't done anything to us. Says the man not carrying a baby. C'est vrai, je vous fais mes excuses. Please. I did. I took stuff, and I'm sorry. I really am. And you think you can trust her? God damn it, don't even start. Any of you would have done the same if you were half as tough as this little girl. Elle, je vais lui dire que je sais qu'elle est même pas sûre que son bébé ce soit de son mari. Comme ça, elle va fermer sa gueule, mais d'une puissance. Just save it. Bring her in, and I'll take a look at her arm. Damn lurker sneaking around out here. We better get inside. You hungry? Fallait surtout pas me laisser entrer dès le début, hein. Ça aurait évité la merde pour tout le monde. Mais bon, tranquille. Fous-la dans la merde. Ah mais là, totalement mon gars. En plus, Clémentine, je la trouve trop badass maintenant. Pour ses 12 ans. Je veux pas que quiconque la fasse chier. Si je dois faire chanter des gens, j'hésiterai pas. This might hurt a little. How she look? Her suturing skills need some work, but otherwise, I say she should be fine. Gros con. So it wasn't a lurker bite? If it was, the fever would have already set in and her temperature would be through the roof. Lui là, avec sa casquette Pokémon, il me casse les couilles. Alors que je le connais à peine, hein. Mais moi j'aurais aimé que tu m'enfermes pas dans la cabane, mec. J'étais blessé et vous m'aidiez pas. I was hurt and you weren't helping. Because we considered you a threat, which you were. Maybe you still are. No, I'm not. We put you in that shed out of concern for the safety of our loved ones, and then you escaped and persuaded my daughter to steal from us. Ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça, oui. I'll give you the benefit of the doubt, but there are a few things you need to know about my daughter. Okay. Déjà, elle est conne. She isn't like you. You may not get that initially, but once you're around her for a while, you'll understand. If she knew how bad the world is, what it's really like out there, she would cease to function. Quoi? Tu lui as même pas dit ce qui se passait? Girl, she's all I have left, and I would ask that you stay away from her. Elle est même pas au courant que il y a des morts qui marchent, l'autre là. La fille qui m'a aidé, à qui j'ai fait croire qu'on était amis pour la vie d'ailleurs. Elle est même pas au courant de ce qui se passe. C'est le meilleur moyen pour que si elle le découvre toute seule, elle pète un câble, genre. Ah, les gens ils font des choix bizarres dans ce monde, hein.
Désolé, je savais pas, pas besoin de me menacer. Il faudra bien qu'elle grandisse à un moment donné. Vas-y, je vais lui dire ça. She needs to grow up sometime. You do not know what she needs. Pardon. Il s'en souviendra. J'espère qu'il s'en souviendra. Rebecca was worried you might be working with someone else. That your being here was no accident. I guess we'll find out. But one thing I know for sure, you are not to be trusted. Ok. Ok. Stay away from my daughter. Bah là, avec grand plaisir, mon gars. Tu crois que j'ai envie d'aller lire des livres nuls avec ta fille? Hey, brought you some food if you're hungry. Oh, à manger, ça doit lui faire tellement plaisir, depuis le temps. Bonsoir, ça va très bien, merci. Tu dates. That's gonna leave one hell of a scar. Tu m'étonnes. C'est mieux que de le perdre. Des fois, je me pose parce que... Est-ce que je le snob? Ah, c'est mieux que de perdre le bras quand même, hein. Comme Lee, du coup. Better than losing it. You can say that again. Scars, they're way cooler than stumps. Definitely. Ouais, ça me fait penser à Lee de fou, mais... Ok. Ah, tiens. Sacha du Bourg-Palette. Hey, look. Ah. Ah, voilà. I just want to say I'm sorry for... for being a dick out there. I got kind of aggro, and that was definitely not cool. Bah, ce qui était pas cool, c'est le coup de feu qui est parti, quoi. Don't hold it against him. Yeah, I guess we all have our moments. You definitely had one out there. Pas de problème, je comprends où c'était vraiment pas sympa. C'était vraiment pas sympa, hein, c'est la vérité. Hein. You were way out of line. You shouldn't have pointed that gun at me. I was hurt and needed help. And that's how you treat me? Allez hop. I know what you were trying to do, but that doesn't make it right. I could have died because of you. Let's go. Elle dit les facts, hein. Whatever. Ouais, whatever, ouais. Comme tu dis, ouais. Nique, tu le niques, exactement. Look, he means well. He just loses it sometimes. Je ne l'aime pas. J'évite les gens comme lui. I try to avoid crazy people as much as possible. J'aime bien Clémentine dans cette saison. Elle est genre, elle est dure en fait, de fou. So, since you're pretty much on your own, what's your plan? Continue mon chemin, je pense. I'm thinking about moving on. Well, you're welcome to stay here if you want. Okay, let yourself heal up. Take some time to sort things out. Do you think everyone else will be okay with it? They'll just have to deal with it. Clairement pas tout le monde, non. Elle est où l'autre qui est enceinte là? Je veux la faire flipper. What happened to your parents? If you don't mind me asking. Ah, c'est le moment où on va chialer encore une fois là. I mean, I assume what happened to them is what happened to just about everyone's parents. You're just so young. Didn't think you could have made it. D'autres personnes ont pris soin de moi. Et on va parler de Lee. Au début, j'étais seul avec la babysitter. C'est vrai. My parents went on vacation and left me with a babysitter. And they never came back. We went to Savannah to find them, but they were already dead. Well, I'm sorry to hear that. This man found me and took care of me. We met up with other survivors and we all tried to make it. But it didn't work. His name was Lee. He taught me how to survive. He's the reason I keep my hair short. What happened to him? I killed him. Ouais, c'était cool. He got bitten, protecting me. And I had to kill him before he turned. Wow.
had to. Ça me redéprime, rien que d'aborder le sujet en fait, faut pas faire ça. But I'm out there standing watch and I can't help but notice this place is lit up like a goddamn beacon in the middle of the woods. Yeah, it's time to turn in anyways. Now get your winks while you can, cause we're going fishing at first light. On va pêcher, ouais. On va pêcher. Zgego maniaque. 12, bien sûr. 12. Demain, on va pêcher. On peut s'attacher à Clem quand même. Bienvenue à toi. Et attention, oh la pute. Juste un truc par rapport à la modération et tout ça. Faites attention à pas faire de théories ou de trucs trop précis, parce que ça peut être un spoil sans que vous le vouliez, et vous risquez d'être, enfin pas ban, mais que votre message soit supprimé, donc faites attention, j'ai pas du tout envie que vous fassiez cancel. C'est juste pour éviter les spoils involontaires. Et d'ailleurs les spoils volontaires sont ban instant, mais... J'ai pas envie que quelqu'un dise un truc sans mauvaise volonté, sans mauvaise attention et intention, et qu'il se fasse ban, quoi. Ça ferait chier. Elle ? Il faut qu'on lui dise à elle, là. Parce qu'elle a l'air de pas trop nous aimer, on va lui faire comprendre que nous non plus on l'aime pas. J'espère qu'on peut lui dire... À qui est ce bébé ? Whose baby is it? Excuse me? If it's not Alvin's, whose is it? You shut your fucking mouth. Tu devrais être plus gentil avec moi, clairement. You should probably think about being nicer to me. That's just my advice. I knew you were going to be a fucking problem. Ouais. Vas-y, pleure. Tremble. Pleure. Let's go, c'est ce que je voulais. Velam, merci beaucoup pour les 7 mois. Merci. Let's go. Je viens d'arriver, j'aime personne. Bah, de toute façon, on vient de les rencontrer, hein, ce groupe. Donc, pour l'instant, on n'aime pas grand monde. How you holding up? I heard you got an earful from Rebecca last night. Oh, ça va. Elle est méchante, je l'aime pas, elle me fait pas peur, c'est quoi son... Elle me fait pas peur. C'est ça. Elle est badass, Clémentine, elle me fait rire. Mais ouais, non, j'ai pas peur. Ça va bien se passer. How far are these fish traps? It ain't much further. Anyone teach you how to shoot? By that I mean taught proper. Oui, Lee m'a montré. On peut arrêter de parler de Lee? My friend Lee taught me. That's good. It's important nowadays. Arrêtez de parler de Lee et de ce qui s'est passé là. Ça va. Nick was about your age first time I took him hunting. De toute façon, la fin de la saison 1, c'était un rêve, et en fait Lee il en a eu marre, du coup il est allé vivre dans une petite maison de campagne, et là actuellement il élève des chèvres et il mange du fromage. Came across this beautiful 13 point buck just standing there on the ridge line. The boy takes the rifle, he lines up the shot just like I taught him, and then I hear him start whining. He turns to me and he says, I can't do it. I can't shoot it, Uncle Pete. Please don't make me shoot it. Really? No way. Hey! Why didn't you wait? You wanna... Je vois pas ce qu'il y a de... Je vois pas du tout ce qu'il y a de honteux à ce qu'un gosse se mette à pleurer au moment de tirer sur un cerf, genre. Enfin, peut-être que quand t'es enfant, t'as pas envie de tuer un cerf aussi. T'es con, toi. Standing around while you piss on a tree? You know where the river is, boy. Anyway, so I grab the gun out of his hand before the big buck runs off, when bang, the gun fires. Boy nearly gut shot me, and of course the buck gets away. What are you going and telling her this shit for? Cause you almost blew her face off yesterday. Seems relevant. Trying to let her know it's nothing personal with you.
Why are you always giving me a hard time? Because you're always giving everyone else a hard time. Ouais, bon, ok. Je vais entendre le reste. C'est bon, il a demandé. C'est bon. It's fine. He apologized. You're always trying to embarrass me. You're doing a good enough job of that on your own. Doucement, les potes. Leaving us again. I know where the fucking river is. Bah, j'avoue que là, il l'a un peu affiché pour rien. En me racontant l'histoire de lui qui a pleuré avant qu'il tue un cerf ou un truc comme ça. Je m'en fous. I found that buck later that season. Shot it right in the neck. Brought it up to my sisters, figuring she'd want to freeze some of the meat. Nick didn't speak to me for weeks. Sometimes you gotta play a role. Even if it means people you love hate you for it. Bah ouais, ouais, mais... Allez, il te déteste pas. He doesn't hate you. Allez. Nick's father wasn't there much. And he was a piece of shit when he was. So it fell to me to keep him in line, raise him right. Meant I couldn't just be nice Uncle Pete. Uncle Pete! Ça y est, c'est la merde. On respire littéralement 5 minutes avant que c'est la merde à chaque fois dans cet épisode. C'est terrible. Avant que ce soit la merde. Jesus, Mary and Joseph. Oh! Oh! Ça a pas l'air d'aller, hein. Full of holes. Who do you think did this? Not sure yet, but it ain't your average gang of thugs. That much I know. Think about it. You're Carver. What do you do? Who's Carver? Carver, c'est le mec qui les poursuit là. Check those guys there. On sait pas encore pourquoi ils sont poursuivis par ce mec. Careful. Some of them might still be moving. C'est qui ces gens? This one's shot too. Through the head? Il y en a un qui va se retourner. Yeah. Check the rest and look for ammo. We're running low. Tu sais que j'ai 12 ans, hein. S'il y en a un qui se retourne et qui me plaque au sol, c'est fini, hein. Est-ce que je peux leur parler? RT, Erid, merci pour le Prime, bienvenue à toi parmi les crèmes. Merci beaucoup. Merci pour le soutien. Les zombies tirent des balles maintenant? Ouais, c'est ça, c'est... la zombie army. There are more out there. This wasn't no rinky-dink pissing match. What was it then? Fubar. Where are you going? We need to get the fuck out of here. Gotta check the rest. What? Why? Calm down and think about it, son. Calm down? We gotta get out of here now. Jesus Christ, get a hold of yourself. J'avoue, là, pour le coup, il a raison. Nick's right. This doesn't look pour le coup, good. Ça pue. Faut partir. One of these folks might still be alive. And they might just be inclined to tell us who did this. We gotta do this now. Stay here. Keep non. Searching these. Je continue à dire que ça pue. You know, Nick, I don't like this either. But sooner or later, you're gonna have to realize a simple truth. What, that you're an asshole? Nobody in this world is ever gonna give a goddamn whether you like something or not. You gotta grow up, son. Whatever. Come on, Clem. Ils n'arrêtent pas de se prendre la tête, les deux, là, c'est grave. Mais... Whoever did this might still be out there, waiting for another sucker to stumble across this mess. Je serais plus utile avec une arme. I'd be more useful with a gun. I don't doubt it. At some point, you guys have to trust me. Hell, I trust you. But not everyone's at that point yet. Give them time. Look, just keep your head on straight. Oh, le bruit. Oh putain, j'ai eu trop peur. J'ai cru qu'elle allait se faire morte pendant qu'il me parlait, ce chien de la casse. Que j'aime bien d'ailleurs. Hope this isn't anyone you know. No. Good. Finito. Finito. More on that side. You check out these ones. See if there's anything on them that'll tell us who they were. Bon, ça m'a l'air mort, ça, hein. Par contre, il a pas le cerveau détruit, lui. Faut faire attention à lui, là. Lui n'est pas mort. Il est de dos.
Je pense qu'il est pas mort. Oh, mon sac! Ah, Zabé! Non, par contre, vérifie le truc à côté. Ah, mais il est pas mort-mort! Je te connais? Do I know you? You were in the woods with Krista. Ah, mais c'est bien ce que je me disais, il fait partie des mecs qui... What happened to her? Please, tell me. Tell me. Je pense que Krista est morte, hein. Please. Water? Water? Lui donner de l'eau, ne rien donner. J'aime pas ce genre de choix, ça m'énerve. Après, en soi, il y a une rivière. Je suppose que l'eau est potable, donc si on veut re-remplir la bouteille derrière, on peut, non? Allez, on va être cool, hein. On va être cool, hein. S'il peut nous donner une info. Allez, hop, bois-moi ça, là. De rien. Maintenant, réponds. Ouais, allez. Pete, I'm fine. I'm fine. Just lost my footing. Damn it. God damn it. Oh non. Oh le con. Mais c'est pas possible, hein. Mais putain, les gens, mais... Lurkers. Non. Ok. Ok, ça va être la merde. Bitch. Damn it. You get your asses over here, both of you. Oh non, on va devoir choisir. Oh non, non, j'aime pas ça. La, 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 la. La, 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 la. Je suis désolé, mais j'aime panique. Donc, je panique. Je pense que je vais courir vers... Oncle Robert, là. L'autre avec sa casquette Pokémon, il me saoule. Ah ouais, mais l'autre, il est mort. Enfin, l'autre, il s'est fait mordre. Oh non, l'autre, il s'est fait mordre, là, là. Mais si je vais avec Nick, il va me reprocher d'avoir abandonné l'autre. Et il a un caractère de connard. Vas-y, je me casse. Get out of here. Get over here, God damn it. Can't you listen to me once? Come on. Come on. Allez. Jesus. Ah bah non, hein. Je suis pas venu ici pour ça, hein. Qu'est-ce que quoi? Oh oui, d'accord, ok. La palette! La palette! Hop, c'est bon, ça dégage. C'est drôle, hein? Je panique. Mais il va pas mourir quand même. Ah, c'est bon, il s'est enfui. Ok, super, je pars avec le mec qui est mordu.